Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons le chercher pour le baou Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas vendre. Nous avons des vidéos. Prêtez-nous Géo Axor pour un t-shirt baou invité 2-3 amis qui ont bien cagé sur ton dia. N'a pas osé, n'a pas alcoolé. Fin cap fait. Fin cap fait. J'ai reçu en audience M. Luis Leonardo Almagro Lemaître, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, qui visite Haïti du 6 au 7 janvier pour s'apercevoir de la situation qui prenne à la crise structurelle qui secoue le pays pratiquement, je dirais, depuis le lendemain de son indépendance. Il y a 216 ans. Nous avons aussi discuté du support de l'OEA au renforcement des institutions qui luttent contre la corruption. J'ai également fait part au secrétaire général Almagro de notre souhait, lors de la présidence haïtienne du Conseil permanent de l'OEA, du 1er avril au 30 juin, de nous concentrer sur trois thèmes importants. Le premier thème, c'est le renforcement du dialogue politique entre les pays membres de l'Organisation des États américains. Le deuxième thème, c'est d'améliorer l'approche régionale d'adaptation, de mitigation et de résilience au changement climatique. Ce que vous avez, Haïti vit dans une zone extrêmement vulnérable. Et souvenez-vous du dernier ouragan Mathieu qui a dévasté près de 4 départements du pays. Et dans le même ordre d'idée, j'ai demandé aussi pour que la coopération régionale encadre en fait l'accès aux sources d'énergie propre. Quand je parle d'accès aux sources d'énergie propre, nous voulons parler premièrement du solaire, parce que comme vous le savez, Haïti a plus de 300 jours de soleil par année, et pourtant, notre source d'électrification, par exemple, nous avons à partir à près de 80% à partir des produits pétroliers. Le secrétaire général et moi, nous avons discuté de l'opportunité aussi d'avoir, en fait, à partir de l'accord politique, d'avoir des échanges direct entre l'OEA et Haïti sur des points qui concernent en fait le développement et le bien-être du peuple haïtien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être à Haïti. Je veux remercier M. le Président pour l'invitation et je veux féliciter M. le Président pour son travail à Haïti. Le système politique Haïti, congratulons pour ce qu'on fait ce temps. We want to say that we congratulate Mr. President because of his work and his achievements during a period that was especially difficult. But the President proves himself as a man of character and leadership and was able to
go through these storms in a very proper way. The country keeps working. The country should keep working. And the country should keep resolving the issues that matter to the people. Health, security, education. We congratulate you because of restarting the classes today. We congratulate you for your efforts to build a political dialogue in the country. This political dialogue that we hope that will bring the necessary balance and equilibrium. And we expect, of course, a government of national unity that can deliver the solutions. Est-ce qu'on peut traduire quoi la population haïtienne? Tu... Maintenant, sur... Allez, vous pouvez continuer avec la traduction maintenant. Sure. Le président a identifié les problèmes du pays. The need for a political dialogue. Le besoin d'un dialogue politique. The need for a government of national union. Le besoin d'un gouvernement d'unité nationale. To keep the government and the country going. Et afin de continuer, que le pays puisse continuer, que le gouvernement puisse continuer à progresser. Because the problems of the people need to be resolved. Parce qu'il faut résoudre les problèmes de la population. To bring political dialogue to the political system is a huge step forward. Le fait d'établir un dialogue national pour résoudre les problèmes du gouvernement serait un pas en avant très important. Faites plans to have a long-term development program. Cela permettrait à Haïti de développer des programmes de long terme de développement. And to have the necessary political reforms. Il faut aussi des réformes au niveau politique. That can help the political system to have stronger institutions. Cela permettrait aussi de développer des institutions politiques qui seraient plus fortes. And better solutions for the people. Et aussi apporter de meilleures solutions, offrir de meilleures solutions à la population. We have agreed with Mr. President. Nous sommes d'accord avec Monsieur le Président. To reinforce the fight against corruption in Haiti. De renforcer la lutte contre la corruption en Haïti. The fight against corruption is a moral imperative of every political system. La lutte contre la corruption est un impératif moral dans tout système politique. And a very extreme need for all institutions. Et est une démarche très importante pour garantir le bon fonctionnement des institutions. The fight against corruption will help to bring credibility to the political system and better trust from the people. Donc, cette lutte contre la corruption rendra le gouvernement beaucoup plus crédible et permettra de mieux aider la population à soutenir à ses besoins. We agree with the president that we need electoral reform. Il est aussi évident qu'il faut d'autres réformes électorales. That reform should start from the very beginning. Et il faut commencer par le début même de cette réforme. Civil identification of the people of Haiti. Il faut pouvoir identifier, avoir des cartes d'identité civile pour la population haïtienne. The ballot boxes. Des boîtes électorales. And the way to count the result of the votation. Et la possibilité de calculer. To transfer that information. De calculer exactement de côté le nombre de votes qui ont été émis et de transférer cette information à la population. We agree too that it's necessary a constitutional reform. Nous avons aussi discuté qu'il est nécessaire de réformer la Constitution. That reform, of course, should get rid of the main problems that the political system, Haitian political system, have had in the past decade. Ces réformes permettraient d'éliminer certains des problèmes politiques qui ont rendu difficile les négociations en Haïti au cours des dernières décennies. It is necessary in order to bring to have a constitution that adapts to the Haitian political culture. Il est important de faire ces réformes au niveau de la constitution afin de mieux adapter la constitution à la culture politique du pays. The constitution should adapt to Haitian people. Cette constitution doit s'adapter aux besoins et à la façon de faire de la population. Cannot be a magic formula
cannot be a magic formula copied from anywhere else. It has to be a result of the political negotiations, it should be a result of the political Asian culture. On ne peut pas avoir une solution magique, une solution qui proviendrait d'autres expériences que l'haïtienne, parce qu'il faut que cette constitution réponde à la culture et aux besoins de la population haïtienne. We will keep working to help the small communities development plans. Nous essaierons de continuer à travailler avec la communauté pour avoir de meilleurs programmes de développement. That is, those projects are definitely important in order to bring better democracy to the country and to start democracy from the basis of the society. Nous aiderons à développer ces projets, nous appuierons parce qu'ils sont à la base du développement pour ces populations. We agree with Mr. President about the need to address the climate change issues. Nous avons discuté avec Monsieur le Président les besoins de prêter attention, d'essayer de résoudre les problèmes causés par les changements climatiques. We have congratulated him about his energy projects. Nous l'avons félicité pour le projet d'énergie qu'il est en train de mettre en place. As well as his reforestation plan for the country. Ainsi que pour le plan de reforestation du pays. That is working very hard in order to reverse the permanent deforestation that suffered for so many decades. Il fait des efforts énormes pour renverser la déforestation qui a eu des effets nocifs sur le pays durant les dernières décennies. We have talked about the next presidency of Haiti, of the permanent council of the Organization of American States. And we have agreed with the priorities that have been expressed by the president. Nous avons aussi parlé de la tenue de la présidence de l'OEA lors des prochaines élections. Thank you very much again. I highly appreciate to be here and to visit Haiti. Je vous remercie pour votre présence ici et nous sommes très heureux d'être ici avec vous en Haïti. It is a country with a unique history. Haïti a une histoire exceptionnelle. That history is, shows that it's the first country in the world where a political project was built on the basis that all men are created equal. C'est un des premiers pays où il a été possible de démontrer que tous les hommes étaient créés égaux. It was written many times before. Nevertheless, it was the first time that was implemented. Cela a été écrit plusieurs fois avant cela, mais ça a été la première fois en Haïti que ces préceptes ont été mis en pratique. The freedom of the people of Haiti meant the freedom of the country. La mise en liberté de la population haïtienne a impliqué la liberté du pays lui-même. I highly appreciate those results. That path of liberty and freedom of Haiti will bring development and will bring equality and will bring access to rights and will bring a better democracy and will highly encourage that path of freedom of Haiti. Nous pensons que la liberté qu'Haïti a conquis permettra d'améliorer le système politique et d'aller de l'avant avec la solution des besoins de la population haïtienne. Merci, merci de me faire à ce point de presse. La photo officielle entre le président de la République et le secrétaire général, s'il vous plaît. Monsieur, droit pour vous. Hey, Gino. Thank you.
Thank you.